les raisonnements logiques, le contre-exemple, ou le mythe المضاد. الأول برهان من البراهين المنطقية اللي كنستعملوها في درس المنطق هو لو كونتر اكزامبل أو المثال المضاد. مثلا يمكننا نقولو باغ اكزامبل بأن باغ اكزامبل تو نومبر اونتيي اي بروميي. تو نومبر اونتيي اي بروميي دونك سي فو. باغ اكزامبل جو دون ان كونتر اكزامبل 3. داكوغ سي ان نومبر premier, il est entier, mais 4, il est entier, mais pas premier. Alors, ce n'est pas tout nombre entier et premier. D'accord? Donc, si je généralise, par exemple, je dis, quel que soit x, par exemple, quel que soit x, je prends, par exemple, une proposition p, quel que soit x appartient à r, x au carré plus 1 égale à 0. Il y a une équipe mécanique x réel, alors x au carré plus 1 égale à 0. Ce qui est faux. Alors, contre-exemple, contre-exemple, angle pour x, je dis pour x égale 1. Alors, si on dit 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2 au carré. Ça fait 2. Donc, 2 égale à 0, ce qui est faux. Donc, P est une proposition qui est fausse. يعني اغلب الوقت كنستعملوا هذا المثال المضاد باش نبرهنوا على الخطا ديال واحد العباره معينه. ناخذ اكزامبل ثاني. باغ اكزامبل une proposition p quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 1 2x sur x au carré facteur de 1 moins x au carré est inférieur strictement à 1. Contre-exemple, يعني هاد العبارة هادي راه خطأ، ولكن خصنا نعطيو مثال مضاد، يعني ان contre-exemple. Contre-exemple. Je prends un x qui appartient à cet intervalle, qui est 0, 1 ouvert. Pour x égale à 1 demi, regardez très bien, 2 fois 1 demi sur 1 demi au carré, facteur de 1, moins 1 demi au carré, inférieur à 1, ce qui est faux. Donc P est fausse. Je vous laisse le soin de calculer cette expression. Donc ici 2 se simplifie avec 2, il nous reste 1 au dénominateur, au numérateur. Au dénominateur on aura 1 quart, ici 1 sur 4, et ici 1 moins 1 sur 4 c'est 3 sur 4. 3 sur 4 fois 1 sur 4 c'est 3 sur 16. Donc 1 sur 3 sur 16, c'est-à-dire 16 sur 3. 16 sur 3, c'est un nombre qui est supérieur strictement à 1, mais pas inférieur strictement à 1. Et voilà, c'est ça le principe de la démonstration par contre-exemple.